Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite liste du jeudi. Incroyable. Ok, on va essayer de s'esquiver. Bien évidemment. Alors là, je crois qu'il y a Balafré. Alors de mémoire, si on doit. Vous pouvez s'en sortir avec Balafré. Mode auto. Donc on va voir ce qui se passe si on tombe contre quelqu'un. Ok, avec une composition qu'on pourrait qualifier de hors méta. Mais attention tout de même. C'est surtout la combativité qui importe. Vous le savez, bien évidemment. Donc méfions-nous quand même. Alors attends, comment. Ok, c'est quand même un demi-manteau. Alors l'avantage si vous voulez de jouer une composition hors méta, c'est que je sais plus si le Kodoma, si le oula, si le Kidomaru s'il peut en coup ou quoi. Je pense qu'il ne peut potentiellement pas aspirer le chakra. Donc on va faire comme si c'était le cas. On prend une version de défense, hein, puisque plus de Gaara est en vie, plus on est content. D'ailleurs, pourquoi sur une case attaque, je ne sais pas. Bah, ça m'a tellement perturbé que j'ai cliqué frénétiquement sur l'ulti à chou, alors qu'en fait, techniquement, je pense que c'était un peu plus safe d'attendre notre tour, puisque la séance fait interrompre. Hein. On va être un petit peu content. Ok, pas d'interruption de son côté. Impeccable. Impeccable, impeccable, impeccable. Ok. Étant donné qu'on a à nouveau le CD de Ashura, on va retenter, on va essayer de remettre une couche au niveau du Kidomaru. Alors attention, attention, le Kidomaru, il peut ressusciter deux fois je crois à minima. Donc restons calmes, restons cool, restons zen, c'est important, bien évidemment. Ok, donc on essaye de se heal très bien. Et le plus important, c'est que Ashura et le Gaara restent en vie. Les autres peuvent ressusciter, donc au pire, c'est pas si grave. Ils sont un peu moins impactants dans le combat que les deux autres. Donc voilà. Oh. Sion de Gan contre Balafré, très bien. Là, il y a Hisoka, on va juste tout peut-être? Non? Ok. Wonder et Gekko, c'est quelqu'un de ma guilde, donc essayons évidemment d'éviter de se taper entre nous, ce serait quand même pas mal. Ah, mais du coup, je tape sur qui? Ah mince, Death Note! Oh non, c'est quelqu'un! Bon, tant pis, on va dire que c'est pas grave. Au pire, il est plus fort que moi, il va porter le combat et ce sera bravo, évidemment. Bravo à lui. Il gère ça d'une main de maître, bien évidemment. Ok, donc le Kidomaru, débarrassé de lui, nickel. Oula, Jusem avec la médaille. Là, il y a Wonder, quelqu'un de la guilde. Là, il y a Ores, quelqu'un de la guilde également. Là, il y a Asta que je ne peux pas vaincre. Alors. Est-ce qu'il y a moyen de moyenner? Putain, c'est marrant, Finiflow, Miniflow. Ok. Tiens, toi par exemple, bonjour. Peut-être que. Peut-on combattre? Bonjour, évidemment. Oula. Alors oui, mais j'ai l'impression que ça va être plus lui qui va combattre que moi, je pense. Mais il n'y a pas de problème. Bon, au moins ce sera rapide, vous savez quoi? C'est quand même. Oh, même le pop. C'est quand même le principal.
J'essaye de le défendre du côté de Xion. On invoque la max de clones, bien sûr, c'est important. Alors. Je suis en train de tout convoiter. Attendez. Ah oui, je me dis, attends, mais je suis pas mort. C'est le lion qui a été un peu récalcitrant, mais on peut le comprendre. Il n'y a pas de problème. Alors, groupe One, quelqu'un. Groupe. Alors, attends, ça c'est qui? C'est Pain. Ah non, c'est All of Pain même. Alors, avec Sion, je peux le battre, mais avec mon compte, c'est pas du tout. Donc, est-ce qu'on peut essayer Sasuke Uzumaki peut-être? Je sais plus si ça se trouve le combat est peut-être difficile. Ça c'est fort possible. On envoie le Kakuzo mode paratonnerre. Ok. Il n'y avait rien à. Il n'y avait rien de spécial. Ah si, l'ulti du Manco. Ça c'est cadeau, impeccable. Donc ça touche pas le H3. C'est ça que. C'est ça qu'on veut. Donc le rôle du paratonnerre finalement a porté ses fruits d'une certaine manière. Ok, on commode, impeccable, hein, nickel. On envoie le petit Ashura sur le Naoto Six Pass histoire de l'embêter un petit peu. Calvara qui est toujours là pour nous aider, ça fait fortement plaisir ça. C'est déjà d'exception bien sûr. Bien sûr. Et on réussit à s'en sortir. Ok. Victoire. Alors attendez, parce que. Ok. Il y avait personne qu'on pouvait affronter ici. À droite. Oula. Landry. Là, il y a Gedo. Alors dans. Je crois que Gedo, c'est un mec qui a une grosse combativité. Ah, je le sais pas trop. Je sais pas, je clique dans le tas, allez. La panique. La fuite vers l'avant. Et eh bah ben, écoutez, ce sera All of Pain du coup. Et la fuite à l'avant, vers l'avant n'est peut-être pas la meilleure des options, mais on y va. On y va, pourquoi pas. Alors, contre All of Pain. Ok, All of Pain qui a pu prendre un Hydra. Ok, une composition qu'on pourrait qualifier de. Bonjour, je suis là pour embêter mon adversaire. Il y a raison quelque part. Mais ça nous arrange guère lorsqu'on affronte du coup. Et donc on prend la masse en attaque, hein, évidemment. Donc là l'objectif ça va être bah, qu'il se débarrasse des clones le plus rapidement possible. Ok, on est contre Zayn. Oula, je crois que c'est compliqué comme, comme combat, potentiellement. On n'a pas de chakra. Est-ce qu'on peut. On peut pas empêcher le Jiraiya de mettre sa barrière. Ok. Je pense qu'il est quand même important d'empêcher le Shishui de mettre des attaques standards également. En fait, en théorie, bon, j'aurais bien aimé toucher le Jiraiya aussi, mais bon. Oh, ok. Non, il n'y a pas de problème. Attends, il y a combien de points d'évité l'adversaire? Ah oui, d'accord. Ah oui, non, mais je comprends. Ah, mais je comprends. 2 millions 1 d'écart, je me disais. Ah oui. Ah, il fait mal sur une barre, mais. C'est bon, j'ai l'explication. Oh, oh, les dégâts de la poursuite du Shishui. Ok, bon, bah, il faut se lever de bonne heure, très bien. Alors là, il y a un main feu. Ok, je le clique, mais j'ai un peu peur. Au pire, hein, on se bat à pleine couture et ce serait peut-être pas différent de ce qui se passe habituellement depuis la fusion des serveurs, mais bon. Écoutez, hein, moi j'ai envie de dire, ok, je vous aime.
Non, c'est juste Ok. Ok. Bon. Toujours est-il que c'est un 2 millions 1. Lance le mode le Kakuzu en mode paratonnerre pour espérer que les choses se passent à peu près comme on le souhaite. Ok, les dégâts commencent à être conséquents. Ah ouais! C'est compliqué, hein. C'est quand même compliqué qu'on se le dise. Okay. Ah, merci le médo pour ton intervention. dans la panique, Jacine me heal, mais bon, c'est un échec assez épuisant. Écoutez, bon, il n'y a pas de problème. Ok. Mais du coup, on va être embêté autour d'eux. J'ai pris la notion de résistance parce que je pensais qu'on avait nos chances. Semblerait-il que peut-être pas du coup. C'est peut-être un non, finalement. Ah, mini flow, incroyable. Alors, si on peut déclencher une poursuite, il y a peut-être un monde où il se passe des choses. Peut-être. On va voir. Oui, et le petit coup de katon. Les poursuites de lys, etc., etc. Et au final, on ne tient plus. Ok, bah écoutez, il est 25 secondes réglementaires, pas de soucis. Du coup, d'accord, très bien. Impeccable. Et du côté d'Ossian, on va ici à remporter le combat. Est-ce que je tente quelqu'un qui a des combos de victoire? Donc c'est pas le moment. Hein. Et je crois que j'ai vu Mousti, je me suis un peu penché. Oula. Et si on dé... Oh, Ok, j'ai esquivé. Hop. J'ai esquivé à peu près tout le monde et je me suis pas tapé dessus. Ok, je ne sais pas comment c'est possible, mais on a réussi à le faire, donc pourquoi pas. Voilà, c'est quoi? C'est Wawan, ça? Ok. Salut Flo, ouais, salut. Hein. Ok. Si on clique dans le tas, là. Il y a Atto de ce côté-ci, d'accord, ouais. Oula, Miam 4. Ok. Ok, d'accord. D'accord. Du coup. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que peut-on résister à Miam 4? 2004 quand même. Donc on est un petit peu en difficulté en termes de combativité. Il joue également le tout-puissant Indra. Qui est quand même assez menaçant. Et là pour l'instant il n'y a pas de point de chakra. Alors, ok, bon. L'évolution est partie. Ok. Mais sous l'effet de feu noir, d'accord, très bien. Je sais pas, je le tente. Je le tente un coup de poker. Parce que de toute façon, si jamais je ne tente pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va réussir à me comboter, donc soit avec un ultindra. Un outil Ashura, pardon, ou un outil Gaara. Et il va aspirer mon chakra, et avec Ashura, je serai dans la capacité de lancer quoi que ce soit. Donc je tente le coup. Je sais pas si j'ai modifié ma relique ou quoi. Mais écoutez, tentons. Alors, la problématique, c'est que vu qu'on a la compétence feu noir dessus, plus on fait des dégâts, et moins enfin, plus nos statistiques offensives baissent. Un peu compliqué.
Et lui, si jamais on n'arrive pas à confirmer un kill, ouais, bah, de toute façon, ce sera pas possible. Mais si on n'arrivait pas à confirmer le kill, ce qui était embêtant, c'était que Kera, continuait de descendre notre cocotique. Donc on avait beaucoup de mal là-dessus. Et au final, on n'a pas réussi à tanker assez. Pas de chance. Là, il y a des gens du groupe de cendres. Oh, désolé, Mousti, c'est qui? C'est Athéna. Ok, il y a un main feu qui a foncé à toute berzingue que j'ai pas vu définir qui c'était. Ah, Ibarra de mémoire, c'est très dur avec mon compte, mais j'ai l'impression que c'est peut-être pas plus dur que les autres. Donc on va essayer de le faire. Alors attends, Ghetto Matrixbox. Attends, qui est ce monsieur là? Oula. Ok, on va cibler le Indra. Il est un petit peu préventif comme ça. Ok, il va essayer de lancer. Oh, oula. Ouf. Avec 2 millions 1. Il va essayer de lancer un. Qu'est-ce qu'on fait là? Peut-être que la question que j'aurais dû me poser, c'est peut-on faire quelque chose? Ça aurait pu être une question assez également judicieuse à ce niveau. Alors, il faudrait trouver un moyen de commencer les combos. Voilà, ou de déclencher la poursuite de Indra. Les deux fonctionnent. Alors attends, donc du coup contre Ibarra, à quel point on est en difficulté là? Ah, je pense que c'est pas mal. Au bout d'un moment, faut bien en rire, hein, mais c'est compliqué. Alors, encore une fois, si jamais on déclenche notre capacité de combo, alors peut-être. Alors peut-être. Et c'est un. Alors, c'est un. Suspense, c'est un. C'est long. Très bien. Alors, du coup, on va avoir à nouveau nos 25 secondes réglementaires, bien sûr. Ok, impeccable. Alors, du côté de science, comment ça se. Oh, super, on a gagné. Enfin, oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, attends, comment est-ce qu'on peut rebondir avec le pont principal? Ah, c'est. En vrai, c'est compliqué. Ouais. Qu'on se le dise, c'est c'est compliqué. Bon, je sais pas si on peut affronter Asta en vrai. En vrai, j'en ai aucune idée. Eh ben, peut-être que avec le Psycho Star, décidément, ce perso est incroyable. Alors, Joe Boy. Oula, il nous fait des drôles d'esquives. Ok, on n'a pas réussi à cliquer dessus. Là, il y a le petit Flo qui est toujours là. Alors, lui, je crois que c'est compliqué, là, le. Alors, Célène, c'est une grosse combativité aussi. Ok. Là, c'est tellement compliqué que je suis obligé de soutenir ma avec mes deux mains. Donc, bon. Pourquoi pas? Ok, c'est nous qui tente une composition hors méta, très bien. Alors, elle joue ou in, je ne sais pas, joue le Ginkaku. Et ouais, c'est. Et ben, c'est. Même pas le temps de dire quoi que ce soit, c'est allé très vite. Elle est très vite. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Attends. Du coup, il y avait quoi en face? Il y avait un Kinkaku, un Neji Orient, un robot Naruto. Ok. Ok, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Oula.
Ok, sûr, bon, il vise ce qu'il peut en mode automatique, mais c'est pas tout à fait les bonnes cibles. Bon, bonne chance, Sion, bien sûr, non, bien sûr. Hein. Ok, une Tsunade qui va peut-être finir par accepter de laisser de tomber au champ d'honneur. Ok, on est contre Foufou. Ok, 1 million de combativité. Là, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. En plus, son Indra au niveau de la pédo. Potentiellement, il se passe des choses. Ok, le Kinkaku, le Kaku vise, pardon, il prend son rôle de paratonnerre. Il le fait très très bien. Impeccable. Il tombe au champ d'honneur directos. On va dire qu'il est en position aérodynamique de ressuscitage, bien sûr, même si ça se fait du tout. Bah, évidemment, tous les profs de français sont en train de péter un plomb, mais calmez-vous. Ça va pas être. Ça va pas être la seule dinguerie que je vais sortir, donc calmez-vous, ça va bien se passer. Bon, je pense que j'en ai déjà sorti 250 précédemment, mais. Et on va dire que tout va bien. Alors là, du coup, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que fait notre adversaire? Il a l'air d'être en auto, je ne sais pas. Est-ce qu'on tente la ruse du paratonnerre au niveau du main pole? Peut-être que notre adversaire va péter un pont sur lui et va laisser notre Ashura tranquille. Oh non, il nous aspire le chakra. Ah ben mince. Ça, c'était un truc que j'avais fait. En vrai, il y avait de l'idée, mais en fait, non. C'était pas mal, mais non. Bon, tant pis. Oula. Ok, là, on a fait des gros crits. On a par ici. Ah oui, il a par ici inamovible. Ah, dommage. Ah, dommage, dommage, dommage. Ah, c'est un peu pas de chance, là. Pas de chance, oui, non. Il y a le Hydra, donc là, par exemple, il y a à peu près, comment dirais-je, certaine, hein, c'est du totalement réduit, bien sûr, mais. Mais bon. Ouais, parce qu'avec 2-3 poursuites, le Kakuzu ressuscite et on repart, mais ce sera. Et l'Aïs se termine. Bah, décidément, ce fut rapide, bien sûr. Alors, donc les deux comptes étaient dans la mousse. Donc, attends, qui a gagné? Il s'agit de la forêt. Donc, bravo à eux. Ok, et moi j'étais dans les deux pays hors forêt. Donc let's go. On n'aura pas de récompense du camp des vainqueurs. Tant pis. Du côté de la grotte. Okay. Ok. En vrai, pour à quel point on a galéré, je trouve qu'on est plutôt bien placé. Trouve qu'on est plutôt bien passé. Qu'impeccable. Donc au niveau de la forêt, il y avait qui? Il y avait Izuna, Landry. Aya Mizan qui du coup. Je pense que c'est un sérieux client, d'accord, ok. J'essaye de déceler les adversaires puissants pour éviter de les prendre en pleine poire. Et du côté de Sion, finalement, on est cinquième. Donc c'est quand même pas mal. Mais c'est hallucinant, le bon Sion. Hein, on fait un peu plus qu'un fois deux en termes de points et on envoie juste Sion, on envoie de bonne chance à lui. Parce qu'on n'arrive pas à gérer le compte principal. Eh bien écoutez, très bien. On va dire que c'est pas. Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt.